Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Scoop FM, bonjour toute auditrice et auditeur capteur de tout ça, bonjour Darius, et m'a salué, mais chaleureusement, même notre Freddy, tout petit New York, mais chaleureusement, tout compatriote qui a été, toute équipe technique Radio Scoop FM, et vous-même, Gary Pochal, et l'usage pour mon frère et mon père pour répondre à différentes questions que vous posez. Merci, Monsieur le ministre James Monazar. Et dis-nous, je dis à un forum, qui s'appelle dans le forum et qui importance ce forum? D'abord, on a dit forum, ça, et on a organisé son forum à faire sous investissement. Et le forum, ça, et c'est chaque nation qui nous toujours créé un event pendant la période et Assemblée générale là. Parce que c'est une période de toute nation prend de prétexte parce que tout le monde a besoin pendant ce moment là, il y a une ville là, il y a New York, donc de très bon temps pour que nous ayons saisi l'occasion ça pour nous organiser le forum ça sur l'investissement et sous leadership et pour le ministre Gary Conille avec l'équipe du ministère du Commerce et l'équipe SFI pour nous arriver à mettre sur pied le forum ça. Donc, sans beaucoup entrer dans le détail sur le forum, et rapidement, on a dit son forum qui a pris une panoplie d'investisseurs, d'invités, et diaspora haïtienne très bien représentée, a pile investisseurs étrangers, a bien invité tout en pile entreprise qui, des entreprises de Haïti, je dis à tout, qui est présent. Donc, tout hier soir, bien tard, salle-là, nous réservée à l'ICAPRAN, une centaine de personnes, mais jusqu'à hier soir, c'est goumen d'abgoumen pour nous, tellement de demandes, on fait vœu d'activité ça, et ça fait nous plaisir un peu, parce que nous connaissons, dans le contexte Haïti aujourd'hui, et nous avons besoin de ça un peu, nous avons besoin de nouveaux investisseurs, parce que pour les rencontres personnellement avec le PM Gary Conille, il a posé une question, qui ça me le fait, de dire pour moi, il y a, au point de vue économique, il y a trois solution, pas gain pour moi, pas gain plus. Première solution, c'est création d'emploi. Deuxième solution, c'est création d'emploi. Et troisième solution, c'est création d'emploi. L'État, avec tout partenaire et secteur privé, et partenaire technique et financier, tout le monde, faut nous mettre ensemble pour que nous baillons des sages arrêts, permettre que, je dis, les jeunes garçons et jeunes femmes qui n'ont qu'à et populaire, faut nous créer une alternative économique pour eux. Le gouvernement te comprenne rapide que le problème de sécurité n'a pas qu'à résoudre seulement avec une répression qui, dans le moment, est extrêmement urgent et important. Mais pendant faire répression, il faut que les gens qui sont dans la zone Sahel et créer l'espoir pour eux. L'espoir, c'est permettre qu'ils aient une alternative. Et c'est dans ce sens ça, la bataille, jour et nuit, nous pas dormi. Et Gary, nous pas dormi, la bataille pour que nous ayons de nouveaux investisseurs qui viennent investir dans le pays. Et pour nous continuer, Chita dialogue, parler, brasser l'idée avec les gens qui investissent déjà en Haïti pour nous garder comment nous sommes l'idée ça, j'arrête. Ministre, rapidement. Dans le cadre de ça, nous avons gagné en face non de acteurs et probablement d'investisseurs. Maintenant, quel sera le message? Quel message nous avons porté dans le cadre de ça? Message là, il est très simple. Et Haïti, c'est vrai, nous vivons un contexte qui est très difficile au point de vue sécuritaire, mais en même temps, tout, ce n'est pas tout pays qui a vécu la réalité. Ça. Ben c'est si on a une opportunité pour aller dans le Grand Nord ou après que dans pile potentialité d'investissement dans le Nord, soit aller dans le Grand Sud, c'est la même réalité. À donc, focus là, je veux dire, un message là, c'est pour nous dire, investisseurs, que et en attendant que les problèmes de sécurité les résoudent de manière significative, mais gagner de potentialités réelles et dans toutes les filières. Soit dans le nord ou et dans le grand sud, donc focus sur. Et je dis à tout, à notre présentation en termes de
et potentialité qui gagne sous le Grand Nord et dans le Grand Sud. Donc, c'est ça le message pour que ça la vive réalité nous gagne aujourd'hui dans le département de l'Ouest. On partit dans la Tibonite, il pas reflété le reste du pays. Donc, c'est vrai, le gouvernement travaille d'arrache-pied. Ce problème de sécurité a toujours été priorité numéro un, on travaille sur lui, mais on pas qu'à disséquer problème sécurité avec redressement économique, avec problème social. C'est ça que fait une semaine, ça, nous, rapidement, gouvernement, et mettre neuf et plus de mots de goût dans des programmes sociaux. Et même, j'ai tout, faut que redressement économique suive le pas pour que, je ne dis pas, sécurité à son package lié. C'est pas on seulement, oui, faut nous faire une action de répression, mais en même temps, il faut analyser ces problèmes sociaux et faut analyser tout problème redressement économique. Maintenant, est-ce que, alors nous allons parler avec acteurs qui sont présents dans ce sommet ça, et sous possibilité qui gagne pour investir quelques côtés dans le pays, notamment on parle de le Nord, on parle de Grand Sud, là, il a trié. Maintenant, est-ce que nous gagnons de filières particulières, nous ciblons pour l'investissement, et notamment dans la zone ordinaire? Sous filière yo, spécifiquement, nous pas voulu et contraindre et participants yo, investisseurs yo. Nous pas contraindre yo pour dire que spécifiquement c'est notre tel bagage pour investir, parce que je vous dis à travers le monde bientôt filière nouvelle, bien d'autres bagages que en plus nous avons cherché opportunité pour investir là-dedans. Donc nous pas voulu comme si il fermait nous dans des filières, mais nous avons des propositions, par exemple sur infrastructure, parce que nous connaissons nous avons plein de bâtiments qui crasés, qu'on a besoin de construire, nous avons plein de routes, nous avons besoin de faire et filière agro-industrie, agro-business là, très important, agriculture de manière générale, tourisme, c'est pas parlé, donc et surtout, nous mettons filière tout, nous c'est ça et énergie renouvelable, que mais ça, c'est pas nous pas restrictif, c'est que et c'est pas seulement ça. Depuis on nous a vu nos projets, nous estimons que le projet est un projet qui est viable, qui a généré un pile emploi et qui a généré croissance économique pour le pays, nous-mêmes les deux bras ouverts, et nous là, parce que c'est pour ça nous là, c'est pour permettre et changer ça. C'est pour ça nous mobiliser toute équipe CFIA, toute équipe ministère du Commerce là, pour permettre qu'une fois que nous avons l'aide d'attention, ça a signé, nous disons que l'envie de l'MSN en Haïti, on a une équipe qui est déjà sur place nous, pour prendre en charge en termes de suivi et pour investissement ça fait. Je connais si que Outeguet a fait mention de ça, différents acteurs qui appellent dans sommet investissement ça, est-ce que c'est des acteurs internationaux, nationaux ou bien c'est un mélange? Non, c'est un mélange. A bien, je viens de dire, des investisseurs étrangers, mais je vais être très très content, à très bien représenté et investir et chambre de commerce, tout le monde invité et à participer dans la COP. Voilà, et ministre Mounaza, bien que vous soyez soulevé, li, et puis gros problème qui fait investisseur pas venir, c'est problème insécurité. Et faut que nous mettions en confiance qui discours ou pral bay pour arriver convaincre moun sa yo, parce que gen moun ki prêt pour investir en Haïti, mais le problème de l'insécurité c'est ça qui pi gros enjeu. Qui discours pral gen pour convaincre moun sa yo? Excusez-moi, Est-ce que nous là? Nous là. OK. Et tout à l'heure de soulever li ministre Mounaza, problème insécurité, et nous tout connaissons. Puis gros problème qui fait investisseur pas venir en Haïti, c'est insécurité. Qui discours ou pral gagner pour arriver convaincre moun sa yo, y compris la diaspora, pour venir investir en Haïti? Bon, discours, c'est pas même mon discours, c'est des réalités que nous avons parlé jeudi, grâce à support et force multinationale là, avec nos vaillants, mais vraiment vaillants, et nous pensons que, au niveau gouvernement, il faut pas jamais oublier
à chaque fois nous l'occasion de parler pour nous dire il va y un policier haïtien et m'pa quoi haïtien imaginer que de nous gagne policier là qui deux trois semaines pour jamais retourner la caillou le sur terrain la bataille et il pas gagne journée ou pas gagne pas la journée bon ça et nous va y un soldat de l'armée d'Haïti mélangé avec force là donc je dis à gagne des actions qu'a fait. C'est vrai, nous comprenons et population dans sa grande majorité qui vit des résultats rapides et probants. Ça y est, on vient au fur et à mesure parce que question ça, question sécurité, nous d'accord que c'est des bagages qui prend du temps pour que nous ressentions le niveau de prendre. Maintenant, c'est rassurer et investir sur eux pour nous dire que il y a des mesures de sécurité que nous commençons à prendre, nous continuons à prendre pour que nous abordions. Parce que je dis à et mission transition c'est organiser objectif principal c'est organiser l'élection et priorité à c'est sécurité donc tout ça qui dépend de nous n'a faire pour que problème sécurité à aborder il résout ça et nous gain plusieurs et nous commencer déjà et nous pas l'amplifier et actionner mais en même temps moi dis ça déjà ou pas qu'à disséquer question sécurité avec et question sociale avec question économique pendant que n'a fait et action et pour nous combattre la sécurité en même temps tout faut nous permettre que les gens qui sont plus vulnérables dans zone et quartier populaire dans zone côté et examen contrôlé pour nous bailler espoir pour nous bailler une alternative donc c'est pour ça il y a des programmes sociaux qui a mis en œuvre et en même temps tout nous n'a pas les ressources économiques d'abord c'est parler avec monde qui investissement en Haïti pour permettre que emploi nous là nous créer pour continuer à parler, regarder comment nous allons aider, permettre que nous sortions cette chambre de loi. Deuxièmement, ça, on a fait là. Forum, ça, permettre que de nouveaux investisseurs rentrent dans le pays et pour venir investir. C'est ça que fait nous dire que nous pas, nous connaissons aujourd'hui à la, nous pas venir dans le monde là, aujourd'hui à la, dans une zone qui est occupée par les gangs qui viennent investir, mais nous dit que focus là, aujourd'hui à la, nous mettons dans le Grand Nord et dans le Grand Sud, qui n'ont pas la même réalité ou la même configuration sécurité aujourd'hui avec un département de l'Ouest ou bien un parti dans le bas de la Tibonite. Monsieur le ministre Menaza, monsieur le ministre, d'accord. Maintenant, nous t'arrêtons. Si nous n'avons pas parlé d'investissement, par exemple, pour le Nord, le Grand Nord, gain au minimum tout pour nous faire dans le Grand Nord, même si gain aspect sécuritaire là son aspect à 90% qui peut résoudre, mais bon niveau d'intervention pour l'État à faire, par exemple, dans la ville au Cap, son ville qui et son ville fatra. Donc, et puis, gain citadelle là, gain l'Améo, gain tout ça, faut nous vendre, faut nous faire investissement nous-mêmes dans le cadre d'assainissement pour nous capables de préparer ville ça pour recevoir investisseurs. Et moi vraiment et analyse qu'on fait hein, et je vais essayer donc que ça dit tellement clair et moi doute la seule moi même en tant que ministre et du tourisme moi j'ai défendu une mission de 10 semaines dans le nord une semaine d'après premier ministre avec équipe qui était débarqué dans le nord donc c'est pas nous pas seulement et grand pile engagement qui prend et grand pile action jodi a qui commence à prendre c'est pas parce que jodi a c'est pas question et seulement question fatra un paquet l'autre problème qui a et pour n'aborder dans le nord par exemple le nord par rapport avec question sécurité à Port-au-Prince grand pile monde qui quitter Port-au-Prince calé vers le nord n'ont pas préparé pour ça. Donc, on a l'impression que ville Cap-Haïtien est presque explosée parce que même en termes de population, il n'est pas préparé pour ça. Deuxièmement, il y a offre de service surtout qui n'est pas préparé pour tout le monde. Et tout. Donc, bon ensemble de problèmes et dans le Nord et grand pile, si tu as fait là, soit il y a une question de zone France, soit il y a une question de port. Et nous passons le Nord et il y a des choses pour que l'autre port qui est habité dans le Nord et il y a ce qu'a fait sous iPod dans le Nord. Donc, nous avons un style permet parce que il y a un niveau de tonnage d'argent je dis à qui pas atterri dans le port du Cap-Haïtien. C'est des problèmes que le gouvernement au plus niveau est conscient de lui, n'a pas abordé. Mais donc, ensemble de mise en place que le gouvernement a fait, c'est pour ça que nous disons automatiquement, je dis après réunion, ça, bon ensemble de suivi par le fait. Et suivi
service à eux, nous avons un service, bon direction même en la CFI qui est l'Astecare. Service à l'IGD des points focaux à travers toute institution dans l'État qui permettent que, avant même que l'investisseur vienne investir, que vous avez un accompagnement, pendant la fin d'investissement, vous avez un accompagnement, après investissement, structure ça continue à accompagner pour que l'investissement soit garanti. Donc, toutes les questions posées sont très belles à l'analyse. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous venons, ça que nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas poursuivre mon esprit fatra. Même passé dans l'ensemble de campagne à tout niveau ça au cap fait pour que dans tout le problème que nous adressons et soit dans le nord, dans le grand nord, pas seulement dit le cap haïtien, mais dans le grand nord dans le, et dans le grand sud. Et dans le grand sud, bien, et récemment, le ministre TPTCA qui a annoncé une construction et un aéroport international dans le grand sud. Donc, c'est des actions qu'a fait pour que l'on nous dit. Et focus là, c'est sur le grand nord, là, et sur le grand sud, mais une base qui là, qui existe déjà pour si nous n'avons pas pour que ce soit les moments de la vie, et laisser ça nous parler, qu'on fait des bagailles, et des bagailles basiques, pour nous mettre sur place, pour nous que nous accueillions futurs investisseurs. Une autre question à deux volets. Et premièrement, est-ce que nous allons faire intervention sous question courant, puisque une usine électrique que Jovenel, ancien président Jovenel, t'es travaillé sur lui parce qu'il faut qu'il y ait courant pour ça fait. Deuxième aspect, madame, est-ce que notre travail pour Al Caribéen tourne? Est-ce que l'État ici tout gagne contrôle et finance l'argent qui a rentré pour Al là? Parce que nous, ouais, Al Abdini, nous, ouais, Al Abbaïkob, mais nous parlons, Meria ou bien structure touristique de Noir bénéficier de ce qui a passé. Gary, maintenant, je ne sais pas si vous avez une merci, merci. Je vais vous poser une question pour une très bonne nouvelle. Et le 8 octobre, et Croisière la Caribéen a tourné sur Haïti. Le 8 octobre, et Croisière la tourné. Et ma profite de l'occasion pour prendre ça à tout le cap. Et à plus le cap, nous connaissons dans la zone là-bas qui vivent de questions croisées. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et le ministre nous a appelé pour le recevoir pour le retour et croisées. Ça. Et on parle de questions l'argent et. Question, oui, bon question, et croisé là tout, mais ça, et délicat parce que, l'État, il ne sait pas de ressources dans le moment pour le construire. C'est une croisière là qui est construite et nous devons payer pour l'État haïtien. C'est une passe dans la dette et nous devons supposer finir payer la dette et nous devons ça et finir en mois de février 2025. Mais malheureusement, nous fait trois mois là pratiquement, nous ne pouvons pas recevoir croisière. Nous allons regarder ensemble, nous allons discuter avec les responsables croisières comment nous avons fait et jouer une solution pour ça. Mais c'est des bagages qui ont consacré. Et ça fait plus de temps que l'État pas recevoir le devant lui parce que bon que si nous avons construit pour l'État ici, que ça a passé sous forme de dette, c'est que l'État a bien le devant ce qu'on a recevoir, c'est comme dette qui passe pour lui. Donc, pour question courant, pour le ministre, et en mois de Tatali, l'État a visité et il y a deux engagements au plus haut niveau qui prend. Je pense que le travail qu'a fait avec le ministre de la République, avec la direction conseillère, et je ne vais pas plus de détails sur ça, je ne connais pas le premier ministre au plus haut niveau qui est au courant du problème ça, il a pris des engagements dans la ville Cap-Haïtien pour que le problème ça soit adressé. Très bien, excusez-moi, monsieur le ministre, ma bonne information. Gagné Wyclef Jean qui était supposé rencontrer avec l'autorité haïtienne mais malheureusement et comme président Leblanc pas de rentrer t'es un petit problème dans ça gagné Jeff Bezos gagné Elon Musk gagné responsable Meta Amazon dans tout c'est des monde qui intéressé pour faire investissement dans l'île et sur l'île de la Tortue un peu partout dans le pays surtout dans le Grand Nord donc est-ce que ou au courant de ça ou du moins est-ce qu'on t'a remis en contact avec Wyclef Jean de façon à ce qu'on garde faisabilité question ça pour investissement Haïti va permettre moi que ce projet est très sensible et il y a des bagages et on va dire sur le micro parce que on connaît le gouvernement est un et indivisible et il y a une hiérarchie dans le gouvernement il y a des informations lorsque beaucoup chita avec le premier ministre Souli pour nous donner un point de vue d'ensemble Souli pas bien droit moi même pour mon opinion sur la de la presse donc quelque chose là il y a un courant
Et mais le fait que le gouvernement au plus haut niveau, moi-même en particulier, beaucoup de chita avec, et parler avec le ministre sur ça, m'a gagné droit et à bail de informations sans que nous-mêmes, après le ministre, nous pas entendre sur lui. N'a excusé tout ça, même pas si dans une prochaine interview, m'a dit pour m'aider à jouer. Mais ça, n'a pas parlé de ça sans problème. Dari Davidson Melissa, nous étions deux questions, parce que le ministre a l'autre radio pour le terme. Oui. Nous soulignons et nous parlons de ces questions. Attends, Manuel Yves. Non, mais qu'on continue et poser le ministre la question, donc votre intervention m'a fait la paix. Oui, nous battons de Manuel, s'il vous plaît. Nous battons de Manuel. Allô, Manuel. Et Daou Moi là. Non, nous battons de Manuel, s'il vous plaît. Ah non, on a fini avec M. Monazar et puis le ministre Monazar et puis après ça, on a pris Manuel. Et directement. Alors, en pile mon aptando là sous question projet, yo, gen kap questionné tête yo, gen yon projet que CFI avec ministère du tourisme te ap entreprendre pour zone côtière yo, surtout sud-est et notamment Côte de Fer. Côté projet ça y est, qui ça nous en train de faire avec, est-ce que nous abandonner ou bien est-ce que parmi projet kap gagné là yo nous comptons retourner avec? Et bon fil coupure, mais c'est de bien au dîme, un ensemble de projets que le ministère touriste a gagné avec CFI, surtout dans une zone côtière et Côte de Fer pour oublier. C'est de ça. Côte de Fer. Est-ce que nous avons donné le projet ça ou bien est-ce que nous avons toujours de mise? Oui. C'est ça, c'est la question. C'est la question. Monsieur le ministre, la question, faut me dire nous que et moi fait un pile et déplacement et surtout à Washington pour me rencontrer avec les partenaires techniques financiers nous, surtout BID de l'Europe mondiale et bon ensemble de projets que je dis à et les cas du trésor public pas gagné pour supporter et que nous cherchons d'autres ressources. Donc, pas qu'un projet qui n'a pas plein et nous c'est tout risque que nous négligeons, mais plutôt, pour que ça aille, c'est renforcer, nous renforcer et puis chercher d'autres sources d'investissement pour nous. Donc, pas qu'un projet, surtout nous-mêmes sommes pour investissement, pour question touriste. Donc, l'État, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Et pas parce que c'est un projet de venir pour me prendre un fruit de notre siroir. Depuis que notre projet, moi, c'est un projet qui est viable, qui a généré revenu, qui a généré emploi, je pourrais mettre le soudain de bâton, pénérer, même chercher tout côté pour nous joindre et de financement pour que le projet soit atterri au bénéfice du peuple haïtien pour que nous créions. Parce que nous avons 1500 et kilomètres de côte en Haïti. Donc, question pêche, question touriste, écotouriste, etc., c'est de priorité pour le gouvernement. Et donc, je ne dis là, non plein pour le ministère touriste, mais malheureusement, le trésor public n'a pas qu'à supporter tout le projet. C'est pour ça que nous ne pouvons pas appeler nous. Que la Banque mondiale, que l'énorme et BID et l'autre institution financière, on a cherché et moyens. Et c'est pour ça que je dis à rencontre sa forum, ça a tout, nous avons présenté deux plans au niveau touriste à travers tout le pays pour que nous gardions si nous avons besoin d'investisseurs qui étaient ici à ça et pour venir investir dans le pays. Vous voulez dire nous, les investisseurs vont venir en Haïti. Un petit bon moment, vous voulez dire nous, les investisseurs vont venir en Haïti. Il y a bien des documents, il y a bien tout bas rapide. Parce que non, depuis jeudi, chaque monde qui est dans la salle là, on va recevoir un kit salle, tout ça, on va mesurer la donne pour investir en Haïti. Donc, il a recevoir, il a fait présentation, il y a beaucoup, et il y a une équipe qui l'a, dans CFI surtout, qui l'a, qui a tout pour nous en charge depuis jeudi. Président après le ministre qui est pour intervenir jeudi également. Oui, président fait et discours d'ouverture là, premier ça fait et discours de clôture là. D'ailleurs, c'est une dernière question pour nous libérer le ministre. Monsieur le ministre, aujourd'hui il y a un problème dans le pays, puisque il y a un bateau, conseil de bateau, qui ne veut pas venir sous port. Et pour question de sécurité, il y a un problème dans le pays. Il y a des gens face à cette situation qui craignent un éventuel rareté de produits dans le pays dans les jours prochains. Qui ça nous fait au niveau gouvernement pour anticiper une situation pareille? Et sur ça,
Il y a 3 semaines, 4 semaines de cela, et nous étions au courant du problème ça rapidement. Le ministère de la Justice et le ministère de la Défense étaient au courant et ils ont fait des interventions rapides. Il y a un bâtiment qui était baillé sous APN, qui était baillé, c'est là, et mon examen était prêt pour attaquer l'infrastructure portuaire. Et le bâtiment ça rapidement nous crasé. Et nous conscients que il y a un peu de problème dans le niveau ça. Et pas plus tard que hier, le ministère de la Justice soutient une note pour que rapidement et nous rassurer et secteur maritime non, pour que le plus possible que reprenne et destination Haïti. Nous connaissons pas facile parce que c'est un gros investissement et chaque fois que nous subit un genre d'attaque, ça n'est pas bon pour le pays. Et inquiétude qui est là, et nous conscients et au plus haut dans le gouvernement, et que le premier ministre, là, que le ministre de la Justice, que le ministre de la Défense, et que des actions et rapides qu'a fait pour nous sécuriser, à mettre plus de sécurité dans la zone portuaire, à dire pour nous et permettre que permettre que les gens qui ont fréquenté, qui ont fait des activités et dans la zone portuaire, ils ont senti que le minimum de sécurité, ils ont fait action. Mais c'est un problème qui est extrêmement, extrêmement sérieux et nous n'avons pas qu'à jouer avec parce que si le bateau n'est pas rentré, nous pourrions gagner dans tout produit qui passe par, surtout produit qui passe par les ports. Et nous connaissons près de 70 à 80% de produits que Haïti consomme passe par les ports. Donc, c'est un bagage d'importance nationale pour nous et nous pas besoin d'aucune inquiétude. L'État est au courant et il y a des dispositions qui sont au plus haut niveau pour qu'on nous aborde. Conclue pour nous, monsieur le ministre. En conclusion, il n'a pas dit tout compatriote, nous connaissons. Voilà, pas facile, voilà, difficile en pile pour nous. Même les premier ministre Garry Conille et tout le reste membre gouvernement et chaque secteur n'a pas fait tout ça possible, imaginable. Nous, tous les jours, nous travaillons pour que nous portions de l'amélioration dans la condition de vie. Non?